Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire des crèmes au caramel avec la multidélice. Alors c'est un jeu d'enfant, il suffit de mettre de l'eau jusqu'au trait. Vous préparez 600 ml de lait, que ce soit végétal ou animal. Vous allez prendre 30 g de sucre. Alors à votre convenance, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. L'essentiel c'est que ce soit à votre goût. Vous pouvez aussi sucrer avec du miel ou du sirop d'agave. Vous prenez du caramel liquide, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Du sucre vanillé, un sachet, c'est amplement suffisant. De l'arôme vanille, naturel si possible, mais on prend en même temps ce qu'on a. 3 œufs, alors là ce sont les œufs de mes poulettes, qui sont de couleur d'ailleurs. Le bleu vient de ma petite poule Azur, l'œuf entre guillemets normal vient d'une Sussex, et l'œuf qui est vert vient d'une Araucana. Donc je mélange les sucres avec les œufs, la vanille, et je vais venir tout battre avec mon batteur électrique, mais vous pouvez aussi le faire à la main. Vous réservez, vous préparez vos petits pots, vous allez mettre du caramel dans chaque petit pot, pareil à votre convenance. Personnellement, je n'en mets pas trop parce que mes enfants n'aiment pas trop et après ça sucre quand même vachement le yaourt, enfin la crème. Donc vous réservez vos pots sur le côté. Vous reprenez votre saladier et vous allez venir prendre le lait que vous avez fait chauffer préalablement. Il faut qu'il soit bien chaud. Cependant, ajoutez-le petit à petit pour ne pas cuire les œufs. Ça fait beaucoup de mousse et personnellement, je la retire avant de mettre en pot. Vous reprenez vos petits pots, vous les installez dans la machine. Donc la recette, c'est pour 6 pots. Du coup, si vous en voulez 12, eh bien vous doublez la recette. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'enlève la mousse. Et je remplis les pots avec l'ustensile qui est livré avec la multidélice. Très pratique d'ailleurs. On essaye de partager au mieux la préparation. Bien évidemment, on branche la machine, on remet le couvercle et on va venir sélectionner le programme 4. Alors il y a un effet miroir du fait que j'avais mis le téléphone en mode selfie et on va programmer pour 45 minutes, entre 40 et 45 minutes. Une fois terminé, on enlève bien évidemment le couvercle. Et on va venir sortir les crèmes. Attention, c'est très très chaud. Je vous conseille de les laisser refroidir un petit peu avant de les sortir. Mais bon, je crains pas trop la chaleur, donc je les sors après à peu près 10 minutes de repos. Allez, bon appétit!